Nous allons regarder maintenant la propriété alignement content. Elle n'intervient que lorsque vous avez wrappé, c'est-à-dire que vous avez plusieurs lignes dans votre conteneur. Ainsi, avec alignement content start, l'ensemble des lignes va remonter. Remarquez bien que chaque ligne prend la hauteur du bloc le plus haut. Pour la ligne 1, c'est item 2 qui impose sa hauteur. Et pour la ligne 2, c'est item 3. Il y a différentes valeurs. Vous pouvez par exemple centrer. Nous allons donc prendre l'ensemble des lignes et les centrer verticalement. De même, nous avons vu que nous pouvons faire justify content. Autrement dit, si nous centrons, nous centrons avec Justify Content Center les trois blocs, en tout cas les deux lignes, verticalement. Et nous pouvons maintenant ajouter que nous voulons centrer par ligne les blocs. Dans ce cas-là, les blocs ne sont plus stretch, mais prennent la hauteur de leur contenu. Ainsi, ça ne change rien pour item 3, mais pour la ligne 1, item 1, qui avait la taille, la hauteur de item 2, a maintenant la hauteur de son contenu et s'est mis centré.